slime qui se mange? On a appris cette idée d'un youtubeur qui s'appelle Carl is Cooking. Carl is Cooking. On l'aime vraiment. C'est vrai. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce slime? Du sucre à la... Sucre à glacé. Du Nutella. Oui. Des guimauves. D'accord. Et du colorant alimentaire. Exactement. Donc, on a pris l'idée d'un YouTuber qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Carl is Cooking. On va mettre le lien de sa chaîne en commentaire. Et nous, on va tester, voir si ça fonctionne vraiment. Et aussi, on pourra manger la slime si on veut. Si on veut. Donc, on essaie? Oui. C'est parti! Alors, dans un grand bol, on met des guimauves. Encore un peu. C'est bon. Et ça part au micro-ondes pour 30 secondes. Alors, on ajoute le sucre en poudre. Et une cuillère de... Tu m'as touché le chocolat. Merci. Et une cuillère de chocolat. On mélange. Alors, quand c'est devenu une grosse pâte, on peut mélanger avec les mains. Moi, je me régale. Maintenant, on peut mélanger avec les doigts. Alors, qu'est-ce qui est génial avec cette slime-là? On peut en manger. C'est qu'on peut en manger un peu. Donc, goûtez, puis dites-moi vos impressions. Ah, j'ai peur. T'as peur? C'est très bon. C'est très bon? Vas-y. Si jamais la slime recolle, on peut ajouter un petit peu de sucre glacé. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Montre-nous, Alyssa, comment ça fonctionne. C'est comme une vraie slime. C'est comme une vraie slime? Mais en vrai, quand on la goûte, je sais pas si vous avez goûté le Tootsie Roll, mais la texture est de ce genre. C'est vrai, hein? Ça goûte un peu le Tootsie Roll. On a beaucoup de Nutella parce que c'est brun. Mais la, comme la texture dessus, c'est vraiment bon. On espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre des pouces bleus. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, pensez à s'abonner. Parce que moi, j'aime avoir des abonnés parce que déjà, j'en ai presque 1000. Si vous essayez de faire une slime comestible, dites-nous dans les commentaires. Bye! C'est bon, Alexandre?